Non, mais j'aime bien l'histoire de la courbe. Bonjour, je suis Philippe Delage du blog Habitabule. Commencez à me connaître. Dans cette vidéo, on va parler d'une courbe. Une courbe spécifique qu'il y a à la maison Bulle de Marc dans la Loire. Et qui de mieux que Marc et Antonio pour nous expliquer tout ça. Voilà, je vous laisse. Pensez à vous abonner. Et on se retrouve tout à l'heure. À la base, le voile il est courbé, mais c'est cette courbe qui monte là et qui va accompagner la deuxième bulle, la troisième bulle, la chambre. D'accord. La chambre, elle est désolidarisée du reste? Oui. Oui. Oui, oui, il y a trois voiles. Structurellement. Il y a trois voiles. Alors, c'est-à-dire Il y a le voile principal, le premier, c'est là où il y a les trois hublots. Après, il y a ce deuxième voile dont on voit une partie là, qui est un voile extrêmement complexe en fait, qui va chapeauter le premier pour assurer la création de l'autre chambre. Là, faire un auvent, faire la buanderie, en même temps, il fait les toilettes, il fait la cave, il fait une salle de bain, une chambre. Et il va rejoindre le troisième voile, qui est une chambre séparée. D'accord. Hey. La jonction, c'était très compliqué. D'ailleurs, ça a bougé. C'était inévitable que ça bouge, ça. Et ça n'est pas, ça n'a pas cassé. J'avais prévu un joint souple. Et il a joué son rôle parfaitement. C'est-à-dire que maintenant, il se touche. Cette ligne, hein, 2 jours pour la mettre au point. N'importe quel endroit, elle est tendue. Et là, je disais les harmoniques, c'est ça, là. De là-bas, on voit là, cette première courbe. Après, on a la deuxième. Et puis la troisième. Qui fait que même quand ils ont fait la menuiserie, tout naturellement, ils se sont adaptés. Ils ont fait la troisième harmonique. Ça veut dire que ce voile-là, il englobe la maison. Il va jusque de l'autre côté. Ah oui, il va jusque de l'autre côté. Moi, je pensais qu'il allait qu'il se posait là et que de l'autre côté, c'était encore un autre voile. Il chapeaute. Il enrobe le premier. En étant ouvert sur le sud-est. Et la il pose sur la bulle, mais il y a quelques centimètres de polystyrène pour que ça puisse bouger indépendamment, sinon tout casse. Il repose pas du tout. De ce côté, il englobe les toilettes, la buanderie, la chaufferie, et de l'autre côté, ça forme une chambre séparée, enfin indépendante. Entre les deux, il y a une cave. Eh oui. Finalement, c'est une conception qui tient la route. Qui est fraîche. Ça tient bien la route. La difficulté au départ, c'était quand la première bulle a été faite, c'était assez compliqué d'allier la jonction avec la première bulle. En même temps, il y avait ici une falaise de terre donc qu'il fallait retenir et il fallait donc faire la buanderie, les toilettes, la cave, etc. et faire un auvent extérieur, c'était le deal. Et moi, je me souviens de Tonio, c'était l'hiver. Tonio tournant en rond, moi, je crois bien que ça a duré 2 jours à tourner en rond ici, à voir comment il allait faire combiner ce truc. Il faut imaginer la première bulle finie, il n'y a rien autour, et comment il va combiner ce auvent, la jonction avec le haut, et la jonction avec l'autre côté de la bulle. Et je me souviens toujours, un midi, il faisait froid, c'était l'hiver, grand soleil, j'arrive, il me dit,
J'ai trouvé. Il y avait quatre lignes de ferraille tendues qui faisaient qui donnaient l'image de ce que ça allait être. Ça, c'était formidable. Oui. Ma caméra. Ici, c'est quand même une maison. Une œuvre d'art. Hein? C'est une œuvre d'art. Oui, c'est une maison absolument exceptionnelle parce que, en plus, elle tient le coup. C'est une maison au prix de Christian Roux, la maison Roux. c'est clair. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, bien je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, mais surtout à vous y abonner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner à votre droite. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc là, il y a aussi une série sur Marc, sur la maison bulle de Marc. Et croyez-moi, comme avec Antonio, il y en a pour un petit moment. À bientôt. J'aime bien l'histoire de la courbe. C'est un début, de toute façon. Il est venu pour faire une interview et tout, j'ai dit, tiens, par où commencer? Je sais que ça va durer longtemps. Que je vais revenir et revenir et revenir, quoi. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être déménager. On va bien, vite.